Bonjour à toutes, c'est Bart de HTMI. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage. Unboxing, si vous souhaitez, d'un produit high-tech chinois qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc, voilà, que je voulais faire avec vous, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à la partager sur les sociaux, à vous abonner à ma chaîne également. Mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous allez avoir un lien d'achat en bas dans la description si vous voulez acheter ce produit, bien sûr. Alors, c'est pas un nouveau produit, hein, forcément. Bien emballé. Hop. Voilà. Ah, c'est chiant. Donc il y a du boulage. Donc il y a des produits qui sont pas, qui arrivent comme ça là, avec des bulles à l'intérieur, c'est quand même pas mal. Alors je vais ramener un petit couteau parce que je vais pas pouvoir forcément. Au niveau des bulles, comme ça, c'est bien protégé et on est au moins sûr que. Double. On va dire double chip, très très cheap, adaptateur chargeur européen. Voilà. Donc là, sympathique, directement à l'ouverture, je trouve une coque silicone souple. Voilà, ça vous donne un peu le nom du modèle. Donc il s'agit du Honor 7X. Tac. Donc voilà, avec une coque silicone qui fait un peu cheap quand même, hein. Elle est très très fine, très très fine. Et là donc on a le téléphone, en fait, donc Honor 7X, version chinoise bien sûr. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau de l'emballage? Eh ben écoutez, rien. Rien, si ce n'est qu'un QR code. Le reste, rien. On va ouvrir ça. Contrairement au modèle européen que j'ai pas testé forcément, où il y avait peut-être des choses. Donc je serai, on va dire, le premier youtubeur à en tester un. Et oui, qui est en rouge. Ça fait toujours plaisir. Donc là, une glace qui fait toujours plaisir. Donc plutôt complet au niveau du vendeur. Donc c'est un vendeur AliExpress. Je vous mettrai un lien d'achat au bas dans la description. Là vous avez le pin pour l'extraction de la carte SIM. Alors une deuxième coque. Celle-là c'est celle d'origine qui est beaucoup plus balèze et beaucoup plus costaud, hein, faut le dire. Vous voyez, hyper costaud, hein, celle-ci par rapport à celle-là qui est vraiment poids plume. Et donc ça c'est celle d'origine, mais ça fait toujours plaisir, le vendeur l'a mise dedans. Donc ça c'est la coque. Donc à l'intérieur on retrouve le chargeur Huawei avec l'adaptateur, voilà, ici, qui va pas tenir énormément, hein. Et le câble ici, et oui, on est comme sur le Mate 10 Lite. Du micro USB, malheureusement, encore Huawei fait du n'importe quoi au niveau de ce milieu de gamme. On est sur un milieu de gamme. On va remettre ça. On va remettre pas celle d'origine, mais celle qui a été donnée en plus. Une documentation Huawei, du coup, version chinoise. Forcément, on est sur le modèle chinois avec une ROM globale qui supporte les mises à jour OTA, je le précise, parce qu'il y en a que ça rebiffe peut-être, que de la documentation chinoise. Il n'y a pas de documentation en anglais, ça s'explique par le fait, effectivement, c'est un modèle chinois, mais on est sur un téléphone qui est bradé en ce moment, pas du tout cher,
qui vaut moins de 130 euros. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description par rapport au prix quand elle est sortie à 299. D'ailleurs, c'est toujours le prix en France. Le téléphone magnifique en rouge avec son double appareil photo arrière flash. Donc là, pour le passage dans d'ici. En bas, jack 3.5, micro USB gris haut-parleur. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au Mate 10 Lite, franchement. Donc on est sur un écran 2,5D et qui ressort du châssis. Donc là, c'est les petites vis qui retiennent la vitre du châssis. Au micro d'ambiance et sur le côté gauche ici on a l'extraction ici hop, de la carte SIM. Voilà, une nano, deux nano ou une nano, une micro SD, c'est l'un ou l'autre, vous pouvez pas mettre les deux, donc soit deux nano SIM une micro SD ou une nano SIM micro SD ou on va dire de nano SIM. Lecteur d'empreintes digitales, là, volume, plus, moins, et bouton allumage. Donc en rouge, c'est un qui claque en rouge. Hein. Il est magnifique en rouge. C'est vraiment du n'importe quoi. Je vous dis, le Mate 10 Lite, je vois pas de différence avec celui-ci, à part sur l'arrière, où en fait l'appareil photo est dans le sens vertical. La coque silicone, voilà, parfaitement, et c'est vrai qu'elle est costaud par rapport à celle qui a été donnée. Vous voyez, j'arrive directement là, donc forcément, on est sur la ROM i8 de chez Honor, hein, Huawei, c'est à peu près la même chose. Paramètres, donc on va aller changer la langue déjà d'une, on va commencer par changer la langue. Advanced Settings, Langage, English. Donc là, Add, Langue, Français, France. Voilà. Donc là, on est en français. Ici, donc, on a les raccourcis. Le multitâche, donc on est basé sur une ROM basé sur Android 8. Donc là, vous voyez Bluetooth, son, rotation, lampe, plutôt pas mal. Jeux, applications, outils, il y a bien la radio, voilà, la boussole. Oups, j'étais pas dans le champ de mire. Les thèmes, c'est exactement la même ROM que le Huawei, hein, le Mate 10 Lite, de toute façon c'est les mêmes, c'est le même groupe. Hop, donc gestion de la SIM, Bluetooth, plus. Voilà, style d'affichage. Donc vous avez ce modèle ou le modèle ici avec le tiroir d'application, le son, notification, je vais faire vite fait la ROM. Identifiant Huawei, mémoire, stockage. Donc on est sur le modèle 32. Vous voyez, j'ai rien fait, il en reste 20 gigas. Forcément, c'est le modèle qui coûte le moins cher. Mise à jour au tas. Donc à propos du téléphone, ah, Android 7. Donc on n'est pas sur Android 8, alors que. Et le Kirin 659, 4 gigas de mémoire et 32 gigas de stockage. Ce que je vais faire, je vais mettre le Wi-Fi et mon compte Gmail et je vais voir s'il y a des mises à jour derrière. Voilà, je vous retrouve pour la suite du test de déballage. Donc vous voyez, j'ai mis la vitre, c'est vraiment une vitre très bas de gamme, mais bon, voilà, ça a le mérite d'être ici, vous voyez. Elle se plaque pas, elle a des traces de doigts un petit peu partout, mais c'est pas grave, on s'en fiche.
C'était gratuit. Donc voilà, on ne peut pas dire non plus. Donc on est sur Android 7. À propos du téléphone, donc vous voyez, Nougat. Donc, alors que ce modèle est passé sur 8 normalement, mais au niveau des mises à jour OTA, donc il m'indique rien. Donc forcément, est-ce que c'est une ROM globale? Je ne sais pas, j'aurai le temps après de me renseigner. Là, il s'agit que de vidéos de déballage. On va configurer donc le lecteur d'empreinte digitale. Écran de verrouillage. Le verrouillage de l'écran. Schéma. Ok. Ça, oui. Grand déverrouillage, sécurité. Non. Écran de verrouillage, ça doit être là normalement. Déverrouillage magazine, signature. Sécurisation du verrouillage. Ouais, je cherche l'écran. Enfin, moi je m'y connais pas trop encore dans cette ROM. Je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent cette marque. Donc je suis en train de découvrir en même temps que vous. Voilà. Identification, gestion des empreintes. Code. Voilà, donc c'est rapide, hein. Je pense pas qu'il y aura un souci. Ok. Hop. On va déverrouiller la première fois. Voilà. C'est hyper rapide. Wow. Regardez-moi ça. C'est très très rapide, hein. On est sur à peu près la même chose que les Xiaomi, donc qui est plutôt un super point. Appareil photo, donc l'appareil photo, on va essayer d'en prendre. HDR photo, photo pro, voyez, plus. Et à ce niveau-là, on est sur du 16 millions de pixels 4 tiers ou. On va mettre du 12, du 11 en 18 neuvième. C'est ce qui fait le charme. Donc là, vous voyez, je suis sur un écran complet. Vous voyez. C'est l'un des points forts de ce téléphone, c'est que, voilà, point de vue rapport qualité-prix, vous voyez, c'est imbattable. Et surtout quand il coûte moins de 130 euros, forcément. On est bien, bien. Servi. Voilà, bah écoutez, donc c'était le unboxing de ce Honor 7X couleur rouge. Voilà, donc je suis pas le premier, hein, forcément à l'avoir fait, mais voilà, donc j'ai le mérite de le faire également. Donc je le testerai quelques jours, quelques semaines, voire peut-être j'en sais rien, et puis je vous ferai un retour là-dessus. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, même mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Bisous à tous et à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao, ciao.